Il est regrettable de constater qu'un nombre important, environ 20% des assujettis à ce jour, n'ont pas satisfait à cette obligation constitutionnelle de déclaration de patrimoine. En refusant de se soumettre à cette exigence de la loi fondamentale, ces personnes, ces personnalités réfractaires à la déclaration de patrimoine font peser sur elles des soupçons légitimes d'enrichissement illicite avec ces infractions assimilées que sont le blanchiment de capitaux,